monde, comment ça va aujourd'hui? Moi ça va très bien et nous allons continuer notre aventure sur OOT Randomizer. Donc là j'ai enfin trouvé le bouton que sur le menu dont je voulais vous montrer lors de la précédente vidéo. Et donc en fait il fallait appuyer sur A. Voilà, et ça montre tous les donjons. Tous les donjons, et vous voyez que seulement pour les trois dernières, en fait, le Gerudo, Gymnase Gerudo et Tour de Ganon. Là, ça montre si c'est normal ou MQ, c'est-à-dire Master Quest. Voilà. Et les autres, on le voit pas tant qu'on n'aura pas trouvé la map qui est quelque part dans le monde. Je voulais préciser. Donc là, j'ai le bouclier et l'épée que j'ai trouvé dans la précédente vidéo, et je peux enfin rentrer dans l'arbre Mojo. Par contre, faut que je fasse gaffe parce que. Faut se rappeler que là je suis un peu comme en mode héroïque, hein. Je me prends le double de dégâts. Là j'ai déjà un cœur en moins. J'ai pas eu la chance de trouver assez de cartes de cœur parce qu'il y en a, ils peuvent trouver plus de cartes de cœur que ça. Hein. Moi. Ah bon voilà. Bon, très bien. Ah ouais, voilà, j'appuie sur un bouton pour faire apparaître ou disparaître la map. Voilà, faut faire gaffe à ça. Ah oui, la première fois que j'ai le noix Mojo, forcément il y a la présentation, comme dans le jeu d'origine. Qu'est-ce qu'elle me veut, Navi? Eh ben, tu m'appelles et après tu dis plus rien. Ah, c'est pour ça, bah oui, c'est pour l'étoile d'araignée. Ça, je connais. Oh là là, il m'a fait du rentre dedans là! Bon, heureusement que l'herbe ça pousse vite ici. Hein. Ah oui. Ah, ils sont sympas de redonner les cœurs quand même. Que je crois aussi qu'on peut choisir de pas avoir les cœurs. Et on peut même choisir de commencer avec un certain nombre de cœurs. Ça aussi, c'est possible. Ah ouais, je vous dis, dans le randomizer, les possibilités sont infinies. C'est encore mieux qu'un simple hack des jeux. Ah ouais, mais là, j'ai pas le lance-pierre. Ah, j'ai que 5 rubis. Ah, mais non, mais... Ah, voilà. J'oublie que le Z et L, en fait, ils sont sur un même côté de la manette. C'est pour ça que je galère. Là, j'appuie sur le... Enfin, je sais même plus. Z et L, je confonds un petit peu. Oh non, ne me frappe pas, je te donnerai un indice si tu m'épargnes, maître. Eh, vu que tu parles anglais, je comprends pas tout, je suis désolé, mais... Eh, ça te fait rire en plus, ça te fait rire, hein? Ça t'arrange que je comprenne rien, hein? Voilà, il est parti comme une fleur, comme ça, tranquille. Bon, j'espère qu'on va voir le lance-pierre, là. Ouais, petite roulade pour se projeter un peu plus loin. Ah, un gros coffre. Quand il y a cette animation, c'est que c'est bon, il n'y a pas de piège. Ah, par contre, le lance-pierre est resté à son emplacement d'origine. Voilà, c'est possible, ça aussi. Ah, qu'est-ce qu'il y a dans le petit coffre? Ouais. Ah, ce que tu es là. Et ce que tu l'as, pareil, ils peuvent donner n'importe quoi. Donc là, évidemment, faut que j'assigne le lance-pierre. Alors, il est où le lance-pierre? Très bien. Non! Ah! Ah, j'ai du mal à m'y faire avec les boutons là. Ah oui, par contre, on peut pas choisir d'assigner le lance-pierre sur la croix, je crois. Voilà, sur la croix, je crois. Exactement. Ah, voilà, c'est mieux comme ça. Oh là là. Voilà, pour viser... Quand j'arriverai à un moment où il faudra être rapide, là, pour viser avec le stick sensible... Faudra vraiment que je revoie les réglages parce que là. Les deux sticks sont sensibles dans ma manette. Ça va pas ça. Je bouge un peu et ça bouge vite. Ça bouge brusquement quoi. Bon, maintenant que j'ai le lance-pierre, je vais pouvoir accéder en haut.
Évidemment, je me suis trompé de bouton. Ah, il faut que je fouille tout, il faut que j'ouvre tous les coffres. Hein. Je ne voudrais pas que je rate un objet important, ce serait un peu ballot. Allons, là, qu'est-ce qu'il y a? Avancer jusqu'en hacker. Alors là. Ah oui, c'est le contraire. Faut appuyer vers le bas pour aller en haut. Mais pourquoi il l'a déloqué? Le con. C'est un peu bizarre. Il déloque, mais heureusement que j'ai touché. J'ai eu la chance. Mais je sais que les lianes, il faut les grimper comme ça. Là, c'est pour m'expliquer comment on grimpe les lianes. Voilà, tu utilises tes mains, et tu t'agrippes, et après, tu utilises l'autre main pour agripper un peu plus haut. Voilà, t'as compris ou tu veux que je répète? Ah oui, lui par contre c'est un peu différent. Lui pour l'instant, je suis pas obligé de le tuer. Ah ça y est, c'est gratonné. Ah, comme s'il n'y avait pas assez de difficultés comme ça. Là, j'ai vraiment l'impression de... C'est incroyable, j'ai l'impression d'être revenu au moment où je découvre le jeu. Tout début. Il y a 20 ans. C'est incroyable. Mais non, je veux pas sortir l'ocarina. Voilà, je vais faire ça. Ouais, par contre, là, il y a l'autre qui m'attend, donc... Hein, il m'attend à la sortie, hein. Attention, hein. Là, vaut mieux que je fasse ça. Ah! Évidemment, je peux pas l'avoir comme ça, lui. Il y a vraiment plusieurs sortes de scutula. Voilà, encore un scutula d'or. Ah, je peux en avoir que 30 maximum. Quand c'est en vert, c'est que je suis au maximum. Voilà. Je sais que beaucoup le savent déjà, mais... Voilà. Et puis en même temps, je le dis pour les nouvelles générations qui découvriraient Ocarina of Time. On sait jamais. Parce qu'à l'époque où il est sorti, il y en a qui étaient peut-être pas nés. Ok, si tu veux, si tu veux. L'épée c'est là. Oh, il nous fait quoi là? Il nous fait la tremblote ou comment ça se passe? Oh. Ah, il m'a quand même touché. Ah, j'étais trop près, j'aurais pas dû. Bon, c'est pas grave, je regrimpe maintenant que je suis débarrassé de lui. Ah, j'entends ce que tu l'as là. J'entends ce que tu l'as là. Ah, j'ai envie de récupérer les cœurs. Bon, allez. Allez. Alors là, qu'est-ce qu'il y a? Ah, la map du donjon. Ah, mais c'est pas la map. Ah oui, là aussi, c'est mélangé, les maps... Attendez, là, je viens d'avoir la carte. C'est la map de ce donjon. Ah oui, c'est la map de ce donjon. Attendez. Shadow. Ah, mais j'ai eu la carte du temple de l'ombre. Et apparemment, il sera normal. Bon... À l'avenir, par contre, la prochaine carte que j'aurai, je regarderai pas, comme ça je garderai la surprise et je découvrirai sur le tas. Ah, bah tu tombes bien, toi. Ah, ça fait plaisir, ça. Voilà, je découvrirai sur le tas. Là, j'ai regardé juste une fois comme ça pour vous montrer, mais la prochaine carte que j'aurai, ben, je garderai la surprise. Mais non, qu'est-ce que je fais? Ah mince! Ah oui, j'ai oublié par contre comment on sort.
ballot ça. Quoi, ça fait vraiment longtemps que j'ai pas rejoué à Ocarina of Time. Ah bah oui, c'est tout con. Ah, là, évidemment. Moi j'ai pas besoin d'avoir l'Ocarina signé, puisqu'il est déjà sur la croix à côté. Mais est-ce que le bâton on peut la signer sur la croix? Non. Hein. Voilà, je la signe ici. Voilà, ça. J'appuie là et je peux toujours sortir l'Ocarina en appuyant sur la croix. C'est cool ça. C'est cool. Bah, j'étais dessus. Quoi, il n'y a pas allumé? Voilà, et pour éviter que le bâton crame, faut vite sortir l'épée comme ça. Oh, mais on avance bien. Voilà, là j'étais assez loin, par contre j'ai bien fait attention. Voilà, il va falloir que je m'habitue au bouton parce que là. Et donc là, bon, j'ai fait le tour ou. Attends, je regarde parce que là. Attends. Parce que j'ai cru voir, ce qui est un peu étrange, c'est que. Quand je suis allé dans le menu, la carte m'a bien indiqué que c'était celle du donjon de l'ombre, mais là. Ah oui, mais non, ça montre ça, mais ça montre pas l'intégralité du donjon, ouais. Ça montre juste les pièces que j'ai visitées. Ah, voilà, je me disais aussi. Alors, il faut que je trouve la carte de ce donjon qui est complètement ailleurs, dans un autre donjon ou alors dehors. Il y a vraiment que les clés qui sont dans leur donjon respectif, mais mélangées, quoi. Ils peuvent être dans n'importe quel coffre. Voilà. C'est ça qui est intéressant aussi. Bon bah il y avait qu'une seule pièce hein. Voilà, là il faut que je fasse le saut de l'ange limite. Je tombe pile au milieu. Ah, oulala. Oulala. On va se calmer. Ça va bien se passer. Là j'ai cramé la torche. Je vois qu'il y a deux sculptures là qui m'accompagnent. Là. Namojo. Là on va tuer les deux. Oh là là, c'est tellement sensible. Ah, je bouge vraiment un petit peu, mais c'est brusque quoi. Mais pourquoi il m'a fait ça? Oh, quart de cœur! Ah, ils sont sympas là! Ah, ça fait toujours plaisir de voir les quarts de cœur! Bon, alors celui-là, bon, il est facile. Hein. Voilà. Ah, mais non, mais. Vous voyez, c'est tellement sensible, il faut vraiment que je revoie les réglages. Hein, après la vidéo là. Allez, vas-y, grimpe! Mais va pas là! Grimpe là-bas! Ça, c'était quoi? Ah, un sculpture normal! Voilà. Grosse surprise! Voilà, je vais me débarrasser de la plante. Voilà! Je sais pas pourquoi, quand t'es au bord, à chaque fois, quand il sort son épée, il tombe. Bon, lui, il m'a fait le bisou de l'amour. De la mort, pardon. Voilà. Je suis pas plantophile, moi, attention, hein. Plantophile ou végétophile, je sais pas trop comment on dit, mais. Voilà, dépêchez. Ah, bah, j'ai pas eu le temps de sortir mon épée que mon bâton a cramé. Là, en face, je ne peux pas y aller. C'est dingue, j'ai l'impression de redécouvrir le jeu presque. Ah, s'il te plaît, ne me frappe pas. 2, 3, 1. Ah, ça, il va falloir se rappeler. 2, 3, 1. Le 2, c'est au milieu. 3, c'est à gauche ou à droite, je sais plus. Ah, on n'est pas sorti de l'auberge là.
bien. Par contre, dans l'herbe, là, c'est vraiment que des rubis, des trucs comme ça. Là, on peut pas trouver des quarts de cœur dans l'herbe. Voilà, je tenais à préciser ça aussi. Ah, elle est chiante, hein. Toujours aussi chiante, hein. Après plus de 20 ans, hein. Mon Dieu. Allez, là, on va plonger. Ah, d'accord, il faut rester au-dessus. Pile poil au-dessus. Ok. Là, maintenant, il faut faire vite. Oh là là. Oh là, attention, il y en a un qui m'attend, là, hein. Monsieur, il fait la tronche. Fais pas la gueule, t'es pas un monstre. Quoique... Ouais, là, c'est normal, hein, c'est des rubis. Moi, je vais remplir les poches. Oh là 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 là, mais oui, je sais qu'il faut appuyer sur A. Voilà. Si je trouve le bouton A, évidemment. Voilà. Allez, quand même. Je sais pas pourquoi, des fois, il saute automatiquement, des fois, il faut appuyer sur le bouton pour qu'il saute. Enfin, juste pour grimper, pas pour sauter à un précipice. Alors, on va se débarrasser de tout cela. Ah, on peut concentrer, hein, comme dans tous les Zelda confondus. On peut faire l'attaque tournoyante. Pour l'instant, c'est pas très impressionnant. Ah voilà, c'était trois torches. Allez, vite l'épée, comme ça j'économise les bâtons. Allez, on va se prendre un bâton en plus. Très bien. Ah, j'ai tous mes cœurs. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, comment est-ce que tu l'as? Voilà. Bon bah là c'est facile, là il suffit de faire ça. Voilà, clairement ce donjon c'est la version normale. Version normale du donjon. J'ai de la chance pour l'instant. Oh là là. Ah, je les avais oubliés ceux-là. Aïe aïe aïe. Aïe, moi bien. Une fée. Ma bonne fée. Elle est passée où, ma bonne fée? Oh mais. T'arrêtes de te cacher dans le mur? Je sais que t'es là! Sors de là! Aïe 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 aïe, c'est pas possible ça. Vous me laissez tomber comme ça là! Là tu me tombes en plein dessus. Ah! Un saloperie. D'où tu sors toi? Je veux pas sortir le bâton moi. Heureusement, j'ai souvent des cœurs. Ah ouais, c'est les œufs. C'est les œufs là. Oh là là, statistique est ultra sensible. C'est incroyable, incroyable. Oui, sauf que là par contre, si ce que tu l'as est en hauteur. Attends, j'essaye un truc. Ah, il saute pas plus haut hein, quand tu fais ça. Ah non, celui-là, je pourrais pas l'avoir, il me faut le boomerang. J'ai pas le boomerang. Aïe, 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 il faudra, je me rappelle, il faudra revenir ici. Bon, allez. La torche. Passe pas au milieu, là. Passe pas au milieu de la pièce. Ah, tant pis. Tant pis pour le bâton. Au moins, j'ai réussi. Ah oui, là aussi, il va falloir faire un truc. Ah, mais j'ai l'impression qu'il le pousse plus vite que la version d'origine. Ça aussi, ils l'ont corrigé. C'est pas mal, ça.
Ouais, c'est ça qui est énorme aussi dans les randomizers, c'est qu'ils ont corrigé comme ça les petits trucs qui étaient un peu chiants. Au revoir! Je vous laisse! Je vous laisse à vos occupations! Ça aussi qui est énorme, parce qu'ils ont corrigé les petits trucs chiants comme ça. Alors, au milieu en premier, c'est ça. Hein. Au milieu, le troisième, hein, je pense que c'est celui-là. 2, 3, 1. Ah, si, c'est ça. J'y arrive aussi. Ouais, c'est bien ça. Sinon, si ça aurait été faux, ils seraient tous les trois retournés dans l'herbe. Alors là, il me dit en gros le point faible de Goma. Mais il faut surtout pas lui dire « Oh, ma reine, mais qu'est-ce que j'ai fait? Je ne suis qu'un traître. » Je suis qu'un traître, voilà. Ouais, il dit les mêmes choses. C'est les mêmes dialogues. Oh bah, j'espère qu'on va y arriver. Là. On va voir ce que ça va donner. Normalement, les boss sont pareils. Ils ont la même endurance et tout. Ah, j'ai pas eu besoin de regarder en haut. Parce que normalement, on rentre dans la salle. Tout est vide, c'est mystérieux. Il faut regarder en haut pour repérer. Ah, sympa ça. Aussi, il y a une autre technique qui normalement fait plus mal que l'épée Kokiri, c'est les bâtons. Bâton Mojo, normalement ça fait plus mal. Mais non! Mais non, c'est. Vous voyez, le stick me fait faire n'importe quoi et lui il pond ses œufs là. Et voilà! Putain, si le stick avait pas merdé là. Là, je suis obligé de bourriner parce que là, attends. Bon, d'un côté, comme ça, ça vous montre ce qui se passe si on le laisse faire, quoi, si on le bourrine pas. Voilà, il prend ses œufs simplement. Moi, j'aimerais bien pouvoir. Mais putain, il me tourne le dos! Mais c'est quoi cette malchance? Voilà, là. C'est pas génial. Mais normalement j'aurais dû faire l'attaque sautée avec le bâton. Mais maintenant j'ai fait beaucoup de dégâts, je peux le finir à l'épée là maintenant. Et... Mais non mais. Mais putain, mais sors-moi cette. Putain, mais c'est maintenant que c'est trop tard. Là il faut vite casser les œufs. Putain, mais je vais crever à cause de conneries de manette qui est ultra sensible là. Mais non, mais... Voilà, putain, je me suis fait toucher en même temps. Vous imaginez si j'étais mort en même temps? Putain, faut vraiment que je fasse les réglages sur le joystick. Là, c'est plus possible. Là, je peux pas continuer comme ça. Ça me fait faire n'importe quoi. Pourtant, j'appuie bien vers le bas, mais quand on appuie à 1 mm sur le côté, si on n'appuie pas parfaitement en bas, ben, il fait autre chose. Il fait ce qu'on doit faire quand on appuie sur le bouton à gauche ou à droite. Mon dieu. Bon, 26 minutes. C'est très bien. Les réceptacles de cœur, pareil, on peut les trouver n'importe où. Et voilà, j'obtiens le médaillon. Le médaillon de la forêt. Ça correspond à l'environnement, mais je crois que c'est pas exactement ça qu'on obtient. Je pense plutôt que c'est la pierre ancestrale. C'est pas grave. C'est pas grave, Armojo. Repose-toi. Ça va bien se passer. Et voilà, ça a zappé toutes les scènes et tout. Ouais, je suis crevé, il faut que je me repose. Bon, 26 minutes, bon, je peux continuer encore un petit peu. Attends, je vais t'aider.
Mais donne-moi des cœurs plutôt que... Ah, par contre, par rapport aux sonneries, c'est toujours aussi agaçant. Alors que ce que j'ai vu, par exemple, dans un Link to the Past, il avait corrigé ça. Quand après ce plus de cœur, ça fait un bruit comme ça qui est chiant dans Link to the Past. Et dans la version randomizer, en tout cas dans la dernière version, parce que je pense qu'il y en a plusieurs, pour Ocarina of Time, pareil. Et ils l'ont corrigé, ça, c'est beaucoup moins agaçant, ça sonne beaucoup moins fréquemment. Alors que là, je dois avoir une version un peu ancienne, ou alors c'est la dernière version de Ocarina of Time, je sais pas. Bon, là, je sais plus du tout où est-ce que je dois me rendre. Et il me manque quelques trucs, non? Est-ce que j'ai tout fouillé dans les bois perdus? Parce que là, ça... Ah, j'ai pas assez de rubis. Ah, j'hésite là, j'hésite. Bon, les coffres, ils restent ouverts, je pense. Ouais. Ouais, ils sont tellement énormes qu'on voit plus rien. Là, ça cache tout. Avec des vases à moitié photoréalistes. Attends, j'ai réfléchi. Ah oui, faut réfléchir là. Hein. Faut réfléchir. Est-ce qu'on a bien tout fait? Est-ce qu'on a rien loupé? Bon, bah tant pis, on va aller à pleine virule. Mais je pense que ce sera pour la prochaine partie. Quand on sortira dans les bois. Enfin, on sortira des bois. Voilà, il faut que je me repose. Moi. Bon, en tout cas, j'espère que cette partie vous aura plu. Et je vous dis à bientôt pour la suite. Allez, ciao. Et il faut que Link aussi se repose. Parce que vous voyez, là, il en peut plus. Il est crevé. Il est crevé. Allez, repose-toi, Link. Moi, je vais faire pareil. Allez, à bientôt.